Son Excellence Président, yéne na ko rew mi am na yar ami teggin sall ya nuru rew mi maké rafet diko am njambar ta fessé ngor rew ma ngi lay gëreum président sall doxal téwé bul guest ya ngi ci yoon da ngay liggéey tabé nga yiw nga té nga yaatu nga tegguri ya wala barki dem nga dem kawer ñu takal la raaya ba wayna msr man de contane na président sale ngeneel bi nga yexse la xale yi wëri métier mooy métier ya mokk na métier yi mokk na ndax anaa moo teew na formation professionnelle lañ doon xaar yàlla yan bi woyof yàlla yan bi woyof toy ba mel ni mbaxana kon dëkk ci dëkk bi boole ko déefar dëkk bi waxuñu ko dëkk ci dëkk dëkk déefar dëkk bi la noo agence nationale de la maison de l'outil mooy kër gi nga xam ne borom réew mi dafa am ci moom kóolute taxawal ko pour ñu jàppale ñi nga xam ne dañu war liggéey xanaa ñoo ci ñu liggéey pour ñu am ay jumtukaay mu jël nag mu jël nag xale ko xaañ teg ko ca boppam mu yàlla ci Malick Mbaye le service de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat. Monsieur le directeur général de l'APICS SA, monsieur le président du conseil de surveillance, monsieur le président de la chambre de métiers, messieurs, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les chefs d'établissement, mesdames, messieurs les représentants des parents d'élèves, monsieur le directeur de l'apprentissage, mesdames, messieurs, chers invités, mesdames, messieurs les directrices de PETEF et écoles de formation privées de coiffure, monsieur le ministre, sous votre permission, je vais débuter mon propos par une citation. Je cite, la formation professionnelle et technique est un levier indispensable au développement économique et social de notre pays. C'est la raison pour laquelle la création d'un ministère spécifiquement dédié à la formation professionnelle, à l'apprentissage et à l'artisanat répond à cette vision fondée sur la valorisation de toutes les ressources humaines dans tous les domaines et à tous les niveaux possibles. Si j'ai voulu débuter mon propos par cette citation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, c'est parce que les mots justes et féconds de cet éminent homme d'État moderne renvoie parfaitement à la philosophie qui a conduit à la tenue de la cérémonie d'aujourd'hui. Je voudrais, Monsieur le ministre, rappeler que l'activité de ce matin entre dans le cadre d'un important volet d'accompagnement à l'insertion des professionnels de la coiffure sur lequel repose essentiellement toute la stratégie de l'Agence nationale de la maison de l'outil. Il s'agit de l'accès à la technologie, cœur de métier de l'amont, avec bien sûr la compétence technique, levier indispensable à toute insertion durable et décente. C'est pourquoi, chers invités, Monsieur le Directeur Général de l'APICS, je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, particulièrement pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer à l'endroit de l'agence pour faciliter la mise en œuvre de sa politique. En effet, il me plaît de rappeler que si cette activité a pu se tenir, c'est essentiellement grâce aux efforts consentis par votre département ministériel sous votre belle conduite pour l'abondement des structures qui relèvent de sa tutelle.
que le directeur de l'apprentissage trouve ici l'expression de toute notre gratitude et de notre reconnaissance. Le président du conseil de surveillance ici présent, mes collaborateurs et moi-même, vous sommes infiniment reconnaissants, monsieur le ministre. Cette activité de remise de matériel aux professionnels de la coiffure n'est qu'un début dans l'accompagnement à l'insertion des formés de nos structures de formation publiques ou privées, des ateliers d'apprentissage traditionnels. Je voudrais rappeler à nos partenaires et aux cibles pour lesquelles cette agence a été créée que les maisons de l'outil sont des plateaux techniques et pédagogiques sur lesquels ils peuvent et doivent s'adresser pour créer la richesse et se promouvoir. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans vous rappeler le souhait que nous cesserons de vous exprimer pour que vous soyez notre interprète auprès du président de la République, Macky Sall, pour amorcer définitivement l'abondement de l'Agence nationale de la Maison de l'Outil, dont les moyens ne suffisent guère pour concrétiser notre projet, notre ambitieux programme. Je sollicite, nous l'avons déjà obtenu, nous le sollicitons davantage, votre soutien et le soutien de toute la tutelle, de tous les techniciens du ministère pour une construction féconde et solide de la maison de l'outil. Je voudrais, monsieur le ministre, saluer ici et maintenant, devant mes amis, devant les militants du mouvement Conscience Citoyenne de Msebok, qui sont des alliés, que dis-je, des militants inconditionnels du président de la République, Macky Sall. Je voudrais saluer devant eux tout le soutien que vous ne cessez de m'apporter pour la réussite de la mission à la tête de l'Agence nationale de la maison de l'outil. Merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Almami Bokoum, Monsieur le président du conseil de surveillance de l'ANAMO, Monsieur le directeur général de l'APIX, Monsieur le directeur général de l'ANAMO, Messieurs les directeurs et chefs de service, Monsieur le président de la Chambre de métiers de Dakar, Mesdames, Messieurs, distingués invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui
la remise d'équipements, de matériel de travail à des jeunes, mais particulièrement agréable. Elle m'est agréable et plaisante en ce sens qu'elle intervient dans un contexte mondial et national marqué par le sous-emploi et le manque de travail parfois et même souvent chronique. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil, après la formation et l'équipement des jeunes en réparation de téléphones mobiles et en technique de pressing, c'est aujourd'hui la coiffure qui est à l'honneur, comme pour magnifier dans le contexte des festivités célébrant la femme dans le monde. Le travail que nos braves dames font avec professionnalisme dans ce domaine précisément. C'est pourquoi je suis particulièrement honoré de présider cette cérémonie après celle et très bien réussie de la journée de la femme célébrée à Ranerou avec toutes les femmes du ministère dont je salue ici l'engagement et le patriotisme. Je souhaite plein succès à vos entreprises naissantes et votre sens des affaires fera le reste. Je vous remercie de votre aimable attention. Maître Bidako Holbo Mouyaga Dalikone, destinément un train passe par vite. Un train passe par vite. Moi, destinément un train Bogao. Moi, d'aller descendre à Irek Bay. Maître Bidako Paranga Mouaura Moufoku Kombet. Un train, mon quotidien Mougao, mon nom, mon quotidien Mougao, mon nom, mon quotidien Mougao, mon nom, wa télé fernet amna ci valise ngeen di gis ni yo xamanteni ci goor yi ñoko mom ak yo xamanteni jigeen yi ñoko mom parce que amna coiffeur goor amna coiffeur jigeen itam akel wëñ guy tawé kula ñaar ñi ko japp ku ci bay gañ sa moro voilà le représentant de la maison de l'outil de Tianaba reçoit l'équipe des maîtres de monsieur Elhaji Malik Bahi, directeur de l'ANAMO. Voilà tout un matériel de produits cosmétiques qui est parfait. Voilà ce que vous appelez, s'il vous plaît. Merveilleux. Ndaje bi dañ ci contane parce que non seulement ay xalé ño xamna ño joggé suñu crèche fi ak suñu té fi ñi joggé Sédiou joggé Kolda ñu formé len ba paré mais amuñu won matériel et anamo nak tay ñew jox len matériel pour que ñom
Formation professionnelle lañ doon xaar nañu wuté métier jang ko sarti mu jariñ ñu yalla yandi woyof toy ba melni mbaxana kon dekk ci dekk bi bolé ko defar dekk bi waxuñ ko dekk ci dekk dekk defar